Hey, salut à tous, de retour sur Among Us, et cette fois-ci je me frotte à des gens très très chauds. Mister MV, Jean Castex, JDG, Little Big Whale, Bagheera Jones et bien d'autres. Il y avait aussi le tout petit Karim Dobash qui débutait, oh protégez-le, il est trop précieux. Bref, avec ces gens-là, impossible de s'ennuyer, croyez-moi. N'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube, les vidéos qui sortent le mercredi seront désormais forcément des best-of ou émissions spéciales à ne pas manquer. Le reste, ce sont des VOD. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer, si jamais la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like à la fin, et faites des gros bisous dans les commentaires à Valou pour le montage de cet épisode. Vous êtes prêts? Ok, let's go! Quel enfer. Celui-ci, quelle bonne idée. Oh, l'alignement des fions. Incroyable. Je ne peux que gagner, c'est faux. Quoi? Non! Normalement, Jean Castex n'est pas loin. Tu vois Antoine Daniel. Oh. C'est soit Shisheyu, soit M. C'est Lil Well, c'est Lil Well, je vous l'affirme de manière sûre et certaine. D'accord. J'étais avec MV, angle droit. Non, c'est Lil Well, tu es entré dans une pièce, tu as 20, je suis entré dans la pièce juste derrière toi, tu n'y étais plus, c'est toi. J'étais juste derrière toi, JDG. Les lives oui, sont tombés, tu y étais, tu étais derrière moi et après tu n'y étais plus, c'est ça que je te reproche. Non, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50-50. Mais non, JDG, c'est pas JDG, mais par contre, c'est toi. Non, mais vraiment, je suis derrière toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Moi, j'ai envie de croire. Fred, il parle comme ça quand il a il sait qu'il dit vrai. En fait, je vous explique. JDG est persuadé de quelque chose. Mais c'est totalement faux. Je l'ai vu faire le scan. Lil Well. J'ai fait les deux fils. Lil Well, as-tu la Attends, Fred. Attends, juste. Attendez, laissez-moi parler, j'ai découvert le corps. Excusez-moi. Ok, Fred, tu dis que tu l'as vu prendre une vête. Où ça? Non, il n'a pas vu prendre une vête. Où ça? Tout en haut, au laboratoire, en sauf fait. Que le cadavre est à l'opposé de la main. Oui, mais, bah, mais en fait, c'est juste qu'elle a pris une vente, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je l'ai grillé pour attends, une vente. Attends, mais Fred, pourquoi est-ce qu'elle. Pourquoi. Laissez-moi parler. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pris une vente alors qu'elle n'avait pas tué qui que ce soit? Mais oui, j'en sais rien. Très bien, très bien. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question à Jean Castex ici présent? Oui. Les 5 secondes avant que tu aies trouvé le corps, il y avait des gens avec toi? Alors, en fait, je suis passé par O2, il y avait Gomard qui était là, il y avait MV et il y avait Shisheyu. Et je suis monté là-haut faire les lights, et je crois que j'ai croisé, je sais plus qui c'est moi. Toi, Lunatic. C'est moi. Et je suis redescendu en bas, et quand je suis arrivé en bas, il y avait Shisheyu qui était pas très loin du cadavre d'ailleurs. Bah, et j'ai reporté le cadavre de MV à ce moment-là quand je suis arrivé. Je vais pas vous mentir, j'ai un gros doute sur Gomard pour une simple et bonne raison, c'est que je vais pas voter. Je vais voter, mais je vais dire pourquoi. Antoine. Parce qu'en fait, non, je peux expliquer. En fait, quand je suis arrivé à O2 depuis le bas, je t'ai vu sortir d'O2. Et ensuite, je suis arrivé à O2, ouais. J'ai fait mes quêtes à O2. Et là, t'es revenu à O2 faire des quêtes. Pourquoi tu les as pas fait avant? Pourquoi t'es sorti d'O2? J'ai vu Lil Well prendre une vente. Le truc avec les astéroïdes là? J'ai vu Lil Well prendre une vente. Non, pas le truc avec les astéroïdes, O2. Mais s'il vous plaît! Mais au secours, mais qu'est-ce qui se passe dans ce game? J'ai vu Lil Well prendre une vente! Quelle indignité. Personne ne l'écoute. On a voté contre elle aussi, parce que moi j'ai voté Lil Well du coup. Mais Fred, pourquoi on devrait t'offrir confiance en fait? Mais parce que je l'ai vu. Bah et alors, je suis pas sur ton écran. Aïe. Je sais pas ce que je fais. Oh les lights, oh je suis tellement dur. Je me suis mis trop loin de tout le monde, je vais mourir. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Non, JDG. Je vais pas voter. Je vais pas voter contre elle. Je peux pas savoir si tu mens ou pas. Écoutez, je pense qu'il ne ment pas dans le sens où je pense qu'il est persuadé de ce qu'il a vu, mais je n'ai absolument pas vent. Ce n'est pas moi. C'est le procureur qui le dit. J'étais dans le laboratoire avec Archimède et JDG. Les lumières se sont éteintes, les lumières se sont rallumées. Il marchait devant moi. Et littéralement, je comprends pas pourquoi il... Mais parce que... Alors moi, j'ai vu personne. Dans le laboratoire, bon, il y a le télescope machin, il y a le truc qui descend le long du couloir. Ensuite, la vente, elle est dans les toilettes. Tu es allé dans les toilettes, je me suis éloigné. Au moment où je suis revenu, tu n'y étais pas. Tu n'as pas pu ouvrir la porte tu n'as pas pu ouvrir la porte avec la précision. Je suis resté dans le labo, je te promets. Mais tu n'y étais pas. Mais si, je te promets que j'étais même derrière toi. Je suis sorti derrière toi. Mais t'étais où? T'étais dans la cuvette? Mais je sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ce n'est pas moi, je n'ai pas vent. Je suis sorti derrière toi. Je suis désolé, je vais skip. Mais c'est pas possible. Tu protèges Trivia, non? Mais pourquoi vous faites tant confiance à Fred? Oui, je pense que... Moi j'ai envie de lui faire confiance. Bah oui, moi aussi, parce qu'il y tient vraiment. Ouais, moi je vais le faire.
Mais je pense que c'est une erreur. Mais non, moi je pense que c'est une erreur. Franchement, Trivia, elle a vraiment compris. Je suis pas bien. Antoine, je pense que c'est trop une game. Il y a pas de sortie. Mais non, mais là, les imposteurs, je suis sûr qu'aucun d'entre vous, ni Trivia ni Fred, ne sont imposteurs. Oui, mais c'est toi l'imposteur, c'est pour ça. Mais putain, mais c'est sûr. MV, je suis sûr que t'es imposteur, MV. Antoine, quand il s'est fait, il est méchant. Oula, un poil de cul. Regardez les Carl Lightman en carton là. JDG qui rappuie dans 20 secondes. C'est pas possible. Mais je vous hais. Franchement, je vous nique. Oh, j'ai envie de le faire. Putain, mais calme-toi. Non. Mais vous allez laisser ça sortir au colossal. Mais c'est pas possible. Qui est invisible? Qui est invisible? Mais vous avez pris de la drogue ou quoi? Moi je dis on vote JDG. Non. Je rigole, je rigole. Mais c'est pas possible. J'ai vu Lilouet rentrer dans les colonnes. Je voterai Lilouet jusqu'à la fin de cette partie, même dans les parties suivantes. J'ai confiance en toi, Fred. Fred, j'ai confiance en toi. Moi, je joue avec toi. Allez. Ah merde, ça remet de toi. Voilà. Mais non, mais vous êtes trop con. Je suis sûr que c'est pas elle. C'était mon 24 ou genre, j'ai incroyable. Mais évidemment que non. Moi, je veux juste passer un bon moment. J'ai compris que je ne pouvais pas gagner. Je veux juste rire. Ah, par contre, va-t'en. Va-t'en, vraiment. Reste loin de moi. Je reste avec JDG, mais pas JDG tout seul. Hein. Ah! Attends, what? Qu'est-ce qu'il branle là, lui? What is he branling here? Ok, il fait bien la tâche. Qu'est-ce qu'il branle? What is he branling? Je crois qu'il a peur de moi. Ne tuez pas. Ne tuez pas Karim. Hein. Ça pue, ça pue, ça pue. Salut. Oh non, putain, pas lui! Alors, on fait son footing du matin? Les kills distance, ça me tue. Bon, faut discuter. Merde, j'avais des doutes sur les natifs. Mais moi aussi, j'avais des doutes sur les natifs. Je me déplaçais de façon bizarre autour de moi. Donc, moi, j'ai fait la main. J'ai fait la main. Je parce que j'avais besoin de retrouver les gens safe. Ah, t'as fait la main à gauche? Ah, t'as fait la main, Archimède? Ok. Mais du coup, t'as fait la main en haut, je crois, je sais plus. Oui, tout en haut. Et c'est tout à gauche de la main. Ouais, moi j'ai vu Karim partir vers la droite, effectivement. Vers la droite, c'est Karim qui dit n'importe quoi. À gauche. Sur la fin, là, j'étais en train de se voir parce que j'avais un doute sur elle. J'ai pas vu son cadavre, mais Lunatic, en fait, à un moment, j'ai eu des doutes sur lui parce qu'il me suivait bizarrement, en fait. Florence. Du coup, je suis bougé sur la. J'étais à laboratoire et j'ai croisé Fred tout le long et il aurait pu me tuer mille fois. Alors, effectivement, je pense pas que ce soit Florence parce que Florence, je l'ai vraiment vu faire des tâches en solo. Elle aurait pu me tuer, elle a pas fait. Et je confirme qu'elle est partie vers la droite à un moment, donc je pense pas que ce soit elle. Lilouet, elle est morte. Bah ouais, oui, Lilouet est morte, mais non, mais on l'a tué avant. Non, mais c'est... On l'a tué avant. On l'a éjecté avant. J'avais oublié ce moment. J'avais oublié ce moment. Oh le... Ah, c'est bon. D'accord. Donc là, j'ai trouvé le cadavre de Shisheyu qui était au-dessus des caméras, à côté de la vent. Fred était juste derrière moi, t'as bien vu que j'ai pas eu le temps de le tuer ou quoi. Il y a eu le temps de double kill pour une seule personne. Je suis resté avec toi parce que je suis sûr que tu es safe. Je pense que ça n'est pas angle droit, ça laisse Gomar et Bagheera. Gomar, je l'avais accusé un peu au début sur le kill de MV en fait. Alors le truc, c'est qu'en fait, Gomar, à la partie qui est juste avant, j'étais vraiment dans son dos, elle ne peut pas être elle qui l'a tué. Oui, mais sauf qu'il y a eu qu'un seul kill au truc d'avant, là il y en a eu. Deux. Donc moi, très honnêtement, je pense qu'on s'est trompé sur Little Big Whale. Hein. Désolé. Je pense vraiment que c'est Bagheera. Je pense que c'est Bagheera. Non mais moi vraiment. Bon, j'avoue, j'ai croisé à peu près personne. J'ai croisé Karim sur la fin. Ah merde. C'était. Oh non. Non, coup, moi, c'est vraiment Gomar. C'est-à-dire qu'on a. Ou alors c'est Jean Castex. Putain, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment trompé sur Little Big Whale. Désolé. Je suis désolé, Little Big Whale. Je lui dirai. Hein, je lui dirai désolé à la fin. Oh merde, on s'était vraiment trompé. Quelle vie. Merde! Putain! Ça, c'est vraiment de la merde cette quête, hein. Et voilà. C'est JDG! Il a tué devant moi! Mais c'est une blague! Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Attends, j'étais avec Gomar, on vient d'arriver, il y avait le report. Non, on est parti Electrical, il a tué devant moi et c'est moi qui ai report. Oui, ça c'est toi qui ai report, je suis d'accord. Par contre. Mais c'est toi depuis le début, en plus, c'est pour ça que t'as accusé Trivia, c'était même pas Trivia! Allez, je vote contre toi, Gomar, allez, du balai. Attends, faut que je réfléchisse parce que je. En fait, si c'était moi. La partie c'est. Serait déjà finie en fait. Florence, tu es... dis-moi, juste Florence. Florence, confirme-moi que tu n'es pas électrical. Florence, confirme-moi que tu n'es pas électrical. Antoine devant moi. Florence, confirme. T'étais pas électrical. Donc non. C'est Gomar. Voilà. On est parti à trois.
tu l'as tué devant moi. Il a accusé Trivia au début. Trivia n'était pas imposteur puisque sinon j'ai du mal à y croire pour le coup. Mais effectivement. Mais c'est la logique de. Bah ouais, pour le coup je me suis planté. Mais pour le coup vraiment, je t'assure, c'est Gomard. Si tu m'entends de l'au-delà, Little Big Wedge, je suis désolé. Je suis désolé. Et moi aussi. Hein. C'est un 50-50, il a accusé Trivia. En fait, il n'y a pas à rajouter. C'est malin parce qu'elle est en train d'utiliser l'erreur que j'ai fait sur Miguel, effectivement, pour m'accuser. Si c'était moi, la partie serait finie, putain. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que si, c'était... mais depuis le début, si c'était moi, ça serait déjà fini. Mais Fred, t'aurais pu tuer mille fois et tu l'as pas fait. Attends, bah oui, en plus. Brain, attendez, mais je sais pas quoi faire. Il faut que je vote. Ah Florence. C'est Gomard, je te jure, fais-moi confiance. Tu t'es planté comme Schlepp. Oh là là. Long live the king. Et c'était pas Little Big Whale, c'était sûr que c'était pas Little Big Whale. T'as fait l'erreur terrible, Fred, putain. Mais non, mais Fred, c'était pas Little Big Whale, c'était sûr, putain. Mais oui, je voyais que tu mentais pas, mais en même temps. Alors, laissez-moi vous dire que c'était lamentable de bout en bout, mais c'est peut-être une des meilleures parties qu'on ait jamais faites. Encore Chromat, j'en ai marre. J'en peux plus être Chromat. Après, tant mieux, hein, parce que là, imposteur face à des monstres pareils, juste impossible. Ah, du coup, là, je reste tout seul. Bagheera sait que je suis safe, mais peut-être que Bagheera ne l'est pas. Où est ton papa? Ouais, chiant, ça. J'ai jamais compris ce truc-là. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est juste que je sais pas m'en servir. Je pense, je peux innocenter sur ce qu'il a. Ça va être très important ce que tu dis, ce que tu vas pouvoir confirmer ici. Ok, vas-y. Quoi? Bah, j'étais en train de marcher dans un couloir. Okay, je vais juste innocenter sur ce coup-là, et du coup les deux, parce qu'il y a eu deux kills. Je vais innocenter 1, 2, 3 lunatiques et Bagheera qui sont restés full au scanner, à se relayer au scanner. Je pense que JDG est innocent parce qu'il est con. et en fait, au début, il a fait la quête, au début dans la salle du départ, la quête à droite, et je crois qu'il n'a pas compris qu'il pouvait partir après avoir appuyé sur le bouton en fait. Oui, il est resté bien 15 secondes devant comme un abruti. C'est incroyable Antoine, comme tu me connais bien. j'ai lancé la quête en effet de la tortue. Là, le fameux truc qu'on appuie sur spacebar, on se barre. Et du coup, JDG était derrière moi. On a voulu prendre le couloir là. Et juste devant moi, qui est parti dans le couloir à la base, Gomard et Florence. Oui. Et arrivant dans le couloir en haut, je me suis dit, tiens, faudrait que je me rappelle des couleurs qui étaient parties tout en haut, histoire de voir s'il n'y avait pas un cadavre. Et je retrouve bleu ciel, Florence toute seule en train de danser autour de Gomard. Ça ne dit ça que maintenant. Très bien. Ah oui, chance, du coup. Donc JDG, tu pourras témoigner en fait que j'ai pas eu le temps d'aller tuer en haut à droite. Florence, une défense en 10 secondes. Et tu laisses bien le temps en fait de demander à tout le monde et de poser des questions. Oui, pardon, mais moi c'est votre Florence. Après bien t'innocenter. Après, si vous voulez, on peut attendre, mais je vais pas du coup le dire. On peut encore skip parce qu'il y a pas eu de défense, mais bon. Ah. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Je skip aussi. Mais sérieux. Imo, on a. J'ai pas eu le temps de parler du tout. Peut-être la gâchette facile ici. Ouais, je propose au prochain vote qu'on tue Shishayu pour la venger. Bon, en tout cas, je suis safe avec Bagheera. JDG est complètement con, donc ça, quel plaisir. Alors, si ça se trouve, c'est un master brain. Et justement, il sait qu'il pouvait fake de pas savoir. Et alors là, on est face au plus gros cerveau de tout le sud de la France. Espérons qu'elle était vraiment... Espérons qu'elle était vraiment imposteur, hein, parce que sinon j'ai très mal au cœur pour elle, et en plus je suis responsable de son décès. Moi je me suis dit, ils vont tous skip vote, peu importe. MV, what are you footing? MV qui s'en branle, qui visiblement s'en branle des emergency. Et là quoi, on a les mêmes quêtes quoi. Putain, on se suit dans la main avec Bagheera. Incroyable. C'est lui! Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. C'est... Attendez, je pense pouvoir compter sur la bienveillance d'une personne pour être honnête sur ce qui vient de se passer. Va-t-il parler? Ah, Karim. Parce que moi j'étais juste à côté, donc j'ai vu des gens autour. Karim. Mais en fait, il est mort en haut en fait, parce qu'on était en haut. Oui, JDG est mort en haut là où il y avait justement
L'Emergency. J'ai pas vu le meurtre. Pour le avec coup. Bagheera, on est remonté. En fait, c'était poétique. Ouais. C'était Karim. Clairement, c'était poétique. En fait, je suis rentré. Bagheera qui va sur la droite. Et moi, je me dis, je vais aller à gauche, voir au niveau des réacteurs, s'il y a quelqu'un qui est mort quand même sur la tâche. Et je vois le corps tout frais, le petit jambon orangé là qui retombe, bam, sur le sol. Et qui est. Et le petit Karim. Qui reste silencieux face à un tel spectacle. Karim, as-tu quelque chose à déclarer ? Je suis le pire joueur. Si jamais. Karim ? Il vient de dire je suis le pire joueur. Karim ? Oui. Quelque chose à déclarer, Karim ? Oui, j'ai évidemment tué cette personne. Ah oui, d'accord. Il y avait plein de monde. J'étais tout seul. Écoute, ça va quoi. Tu vois, il y a un moment, je fais ce que je peux. Ok, let's go. Ok, let's go. Donnez tout. C'est parti. Bon, ça suffit. Alors, Kroumat, encore. Putain, j'en peux plus. On peut plus d'être Kroumat. Let's go. Ah, ouais, l'eau. Ah. Ennui total. Ah non. Oh. Ouh, ça tue au light. Ça ouais, tue. C'est pas au light. Donc oui, bah, j'ai fait O2 navigation, il y avait Trivia avec moi, et il y a eu les lights, et j'y allais, et j'ai trouvé le corps de Chiche. On y allait. Attends, tu l'as trouvé ça, c'était dans en bas à droite, au niveau des, au-dessus des shields. J'ai suivi Chiche et MV. Ouais, il semble l'avoir croisé, ouais. Et en fait, moi, je sais pas du tout, j'étais foulé à gauche pour le coup. J'ai vu MV sur le corps et le report. Oui. Donc, bah oui, je suis tombé dessus, je les reporte. Lil Whale, tu viens de dire que lorsque les lumières se sont rallumées, MV ouais. était sur le corps. Oui, exactement. C'est quand même pas anodin, je trouve. Il aurait vu le bouton avant, en fait. C'est quand même pas anodin. Ça pourrait être un self-report et ça Je me suis arrêté quand j'ai vu le bouton report. Mais... C'est pas anodin. Sachant que Chiche You est parti juste avant nous. Ça va tomber dans nos rails d'un lameçon. Kill instant et event en dessus. Gomar quoi ? Non, mais je t'avais croisé, ça aurait pas de sens. JDG, aucun mot. Je sens que j'ai pas le choix, la vie m'a pas me... Ah mais Karim il est mort ? Karim il est... Ah non il est là ! Oh la chance ! J'ai une question moi, avant que tu dises... Paix à son âme. Pas d'indice, Karim t'étais où ? Je sais plus du tout, mais j'étais en train de faire des trucs super sympas. Karim c'est un peu bizarre que tu saches pas où t'étais. Moi ça m'arrive hyper souvent pour sa défense. Moi tu sais, je joue à fond, je suis hyper souvent. Je suis un petit bonhomme dans un vaisseau spatial. Petit bonhomme que personne n'a sauvé, petit bonhomme que t'as abandonné, petit bonhomme que tout le monde a oublié, ce petit bonhomme c'est Karim. Ok, JDG, pas un putain de mot. Pas un motherfucking mot de JDG. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Pas un mot de JDG ? Je veux dire, si jamais je suis encore vivant, je lui dis, il y a beaucoup de sub quand même en ce moment, JDG. JDG, bah, le petit aller-retour là, qu'est-ce que c'était que ça ? Je viens d'arriver, je viens de report, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, attends, on peut la refaire à l'envers. Gomar, je viens d'arriver, je viens de report, t'es à côté du corps. Oh le kill ! Gomar, je viens de report, tu es à côté du corps, Gomar ! S'il vous plaît, est-ce que je peux juste en placer une vite fait ? Oui, vas-y. Pour appuyer avec Gomar, parce que je suis vraiment désolé, mais. À moins que t'aies encore une chier de sub, JDG, tu n'as pas parlé les deux rounds précédents. Mais c'est jamais arrivé. Mais faut peut-être écouter quand je parle. J'ai parlé. Qui vient de dire ça ? Qui se dénonce ? C'est moi, monsieur ! Votez JDG ! Mais votez JDG, mais oh super, mais c'est bon ! Gomar a été suspect le round d'avant et là je le trouve à côté d'un cadavre. Je la vouch à 800%. Et je pense que MV est dans la sacrée mouise. Les lights, ça alors. Ah. Ça alors. Très bien. Donc, je viens de... Avec Goma, on était à... Comment ça s'appelle là ? Communication, merci. Oh, deux. Ah non, oui, donc, communication. Et on avait MV juste devant nous, qui nous a pas mal suivi, voilà. Tout à fait. L'électricité s'est coupée, avec Goma, on est resté encore un peu communication, 2 secondes à se tourner autour, histoire de se revoir. Et je vais pour fixer les lights, et ben...
un mois. Mais après, je reste avec vous pour mes minos sorties, en fait. Par rapport au tour 1, pour moi, c'est... mais après, peut-être que je me suis trompée au tour 1, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais partie sur le truc de ben, par rapport à trajectoire, c'est soit MV, soit Trivia. Trivia est morte. Mmh. Donc forcément, moi, je me dis que c'est MV. Mais après, Hank, c'est vrai que j'étais tellement pas vue. Mais le tour 1, je vous jure. Ouais. Que... Non, mais peut-être que je me trompe après MV. Je dis pas que c'est. Parce que le tour 1, tu vois, je croise Trivia et on descend. Ensuite, elle dit qu'elle était derrière moi. Mais bref, je descends et je sais que. Enfin, je me doute qu'il y a du monde derrière moi et je trouve le cadavre, tu vois. Et je le reporte. Mais bon, ensuite, oui, c'est suspect. Donc, ok. Mais là, oui, là, je t'ai admis, en tout cas. Bah, ça mais, on a des mais on a pas mal d'infos maintenant. On a pas mal d'infos. Quand il y a deux contre deux. Bah, généralement, en fait, je trouve que ça pue la merde quand on skip aussi tard. Mais quand on skip avec. Bah, en fait, skip, c'est normalement bon pour les innocents. En fait. C'est plus safe parce que si on vote MV et que c'est toi, tu nous kills derrière. Si on vote toi et que c'est MV, MV nous kills derrière. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Tout le monde est bon pour skip ? Bah, pas trop, mais. Ah, bah, moi, si vous étiez sûr, on peut. Mais bon. Je vais suivre Angle, je pense. Je vais suivre Angle, c'est le plus safe. Oh non! Oh non! Report. Oh merci. Ah, je vais l'appuyer sur le bouton. Parce que là, son kill cooldown. Faut que j'appuie sur le bouton. Oh, fils de pute, il a gagné. Salut! Oh non, ça allait pas être là. On a perdu. Putain, quoi bien joué MV, bien joué. Yes. Mais oui, j'ai rien fait. Ah oui, non, bien joué. Bravo. Attends, oui, gagné, là. Mais parce que en fait, vous avez il y a pas eu le truc qui a été fait à temps en fait. Bah en fait, parce que t'as pas fait. Ah, le coup de j'aime toujours bien joué. Ah, merde. Parce que là, c'était très bien joué. Nice, ouais. Bien joué MV, bien joué. Mais en plus ça me tenait à cœur parce que j'ai laissé Fred tuer tout le monde au début et j'avais tué personne. J'ai loupé un sur Trivia juste avant qu'il se fasse repérer. En vrai, ouais, c'était un peu cramé. MV, jamais il vote blanc quand il reste 4 personnes. Oui, là, genre. Cramé ouais, skipper, c'est plutôt bon pour les innocents. Mais oui, ça oh là là. En tout cas, c'était cool. C'était sympa de vous avoir, vous neuf. C'était très cool. C'était très cool. Et merci voilà, bah, écoutez, beaucoup. À une prochaine. Merci beaucoup. C'était très sympa comme groupe. La gueule.